1995 est une année particulière, notamment pour un Autrichien, Thomas Muster. L'année d'avant, il vient d'avoir un grave accident, les jambes broyées par une voiture. Il se dit non, je veux continuer à être professionnel. Alors, il va se battre et pendant sa rééducation, il aura une attelle en bois qu'il pourra poser sur un terrain de tennis, s'asseoir dessus et commencer à taper la balle, la jambe dans le plâtre et frapper des milliers de balles pour revenir au niveau. Et ce niveau, il va l'atteindre puisqu'en 1995, il va faire le Grand Chelem rouge, c'est-à-dire qu'il va remporter tous les tournois sur terre battue et finir en apothéose par Roland Garros.